Allô chérie? Alma? C'est papa. Tu m'entends? Tu veux pas me répondre? Écoute, ne fais pas attention aux remarques de ta sœur. Ne t'inquiète pas. Tu restes ma petite préférée. Je vais passer de te changer les idées avant le vernissage. Et je te rapporte le dessert que tu aimes tant. Ma petite fleur. Réponds-moi. Allô? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Toujours aussi belle. Qu'est-ce que tu ressembles à ta mère? C'est bien, ma chérie. Et j'aurais pas fait comme ça. Je suis sûr que tu vas y arriver. Je sais pas comment te le dire. Je veux seulement être avec toi. Oh.
Bravo. Je suis fière de toi. Quel regard sur le monde. Elle est douée, ta petite sœur. Ah oui, oui, oui. Je tiens à te dire, Alma, un vrai supplément d'âme. J'ai toujours su que tu arriverais. Ouais. Attendez. On dirait qu'elle ne parle pas français. Mais si elle le comprend. Non, c'est pas nos prix. Il y a du jeu. Non, Giacometti, il y a besoin de 13 millions de dollars. C'est quand même. Est-ce que vous allez bien? Il est parti téléphoner chez le concierge. On ne doit pas la toucher. Tu entends? On ne doit pas la toucher. Je vais chercher un cognac. S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Est-ce que quelqu'un a appelé une ambulance? Et la respiration artificielle, non? Va-t'en, Alma! On n'a plus besoin de toi ici. Tiens, ma chérie, je t'ai apporté le dessert que t'aimes tant. Tu t'es réveillé. Qu'est-ce que tu ressembles à ta mère? Coupe le gâteau, ma petite fleur. J'arrive tout de suite.